Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Cooking Culinaire, j'espère que vous allez bien. Alors je reviens aujourd'hui avec une recette de tacos à la pomme de terre et au thon avec une sauce fromagère et sans tarder on passe à la préparation. Pour les ingrédients il va nous falloir environ 3 galettes de blé, une grosse pomme de terre voire deux pommes de terre découpées en rondelles et frites, deux tranches de cheddar et 70 g d'emmental râpé, 20 ml de crème liquide, environ 130 g de thon nature, des olives noires et un demi-oignon coupé en lamelles. On verse la crème liquide dans une petite casserole et ensuite on allume le feu, donc un feu moyen. On ajoute ensuite le cheddar. On mélange bien pour l'intégrer à la crème liquide et ensuite on fait la même chose avec le fromage râpé, l'emmental. On va mélanger pendant quelques minutes et ensuite on va éteindre le feu. On obtient une sauce fromagère assez épaisse. On passe ensuite à la confection du tacos. Pour ça, on récupère une galette de blé. On dépose sur la moitié de la galette des rondelles de pommes de terre frites. On va ensuite ajouter un petit peu de thon par-dessus. Alors moi j'ai choisi du thon nature, mais vous pouvez bien sûr le remplacer par du thon à l'huile. On ajoute quelques rondelles d'olive, un petit peu d'oignon cru. Et pour finir, environ 2 cuillères à soupe de sauce fromagère. On referme notre tacos et ensuite on va le faire dorer dans une poêle. Alors deux possibilités, donc soit vous mettez un petit peu de beurre et puis vous le faites dorer, soit vous le faites dorer directement dans une poêle sans matière grasse. Et voilà, nos tacos sont prêts. N'hésitez pas à tester la recette, commenter et liker. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et puis moi, je vous dis à très très bientôt sur ma chaîne. Merci de m'avoir suivi. À bientôt.